Bon, Bulle, prends mon départ parce que sinon je vais te faire chier autrement. Dans le virage, je vais te ralentir donc. Je sens le carnage. Allez, on est parti, 10e Grand Prix de la saison, course de mi-saison, en direct de Bathurst pour ce Grand Prix d'Australie avec Alex. Premier virage, premier. Deuxième Réa, Pescadou, pardon, troisième Réa. Alors, on va suivre ce premier gros freinage après la ligne droite. Alors, Alex passe correctement, attention au freinage derrière, ça risque de taper. Entre Siro et Réa. Réa 3ème, Siro 4ème. Sa bataille. A priori, Duff derrière en difficulté. Duff 10ème. Qui passe 9ème. Alors, ça, a priori, sa bataille avec Siro, avec Eltrist. Mais on va rester concentré là, puisque Réa est juste derrière Pescadou. Dans les S. On attend la deuxième ligne droite du circuit. Alors va-t-il réussir à le passer au prochain virage? Alors là, on n'oublie pas la légère courbe. On oublie de décélérer légèrement. Voilà, alors il va peut-être essayer de le prendre à l'intérieur du virage. Non, il reste derrière sagement pour l'instant. Allez, peut-être là. Pesca qui ferme bien la trajectoire. Que derrière, Siro est en embuscade. Lui va tenter quelque chose. Certainement, il va certainement réussir à passer en troisième position. Oh, attention! C'est très serré, c'est très serré. On voit avec la caméra à vue aérienne. Ah, c'est très serré pour la deuxième place. En tout cas, troisième en très peu de distance. Là, les S qui commencent, là, le moment de vérité. On voit qu'il peut être compliqué. Donc, ça dérape beaucoup devant. X qui tient bien la première place pour l'instant. Troisième position, Réa est pas loin derrière. Là, il va retenter peut-être quelque chose. Ah ouais, la trajectoire est très extérieure là, il a du mal à prendre ses courbes. Sa courbe par rapport à Pesca là, qui ferme bien les trajectoires. Pesca qui doit regarder dans son rétro en conduisant, ce qui doit pas être évident. Je vais passer tout le monde. Ouais. J'ai deux suspapes et un moteur donc. Oh la vache. Alors, on verra au ralenti sur YouTube. Ce qui est arrivé à Duff, malheureux Duff pour l'instant, ce début de course. Je suis un contrôleur donc je me suis mis sur je start. Comme j'ai vu tout le monde arriver, bon, ouais. Je me suis foutu à côté pour pas gêner. Allez, peut-être là, la deuxième place est en jeu pour Réa. Siro est assez loin derrière dans les rétros. Parce que je pense que c'est. Allez, toujours pas Pesca qui.
prend la meilleure trajectoire à chaque fois, il faut le dire. Et qui doit quand même regarder dans sa rétro ce qui peut jouer le... Ce qui peut... Oh, Pesca, erreur de Pesca, voilà, deuxième place pour Réa. On va suivre Pesca maintenant. T'as pas eu de dégâts au départ? Non. Parce que bah, je sais pas ce qui s'est passé. Oh là là, vraiment, Pesca, grosse difficulté là. Pour l'instant, pas de dégâts. Ouais. Moi, le... ça a frisé un peu l'écran, tu vois. Ah, parce que bah, vraiment, t'avais pas fait de faux départ, donc je me suis dit nickel, c'est bon. Et puis, à un moment, d'un seul coup, bing, j'ai pas compris le truc. Bah, moi, chez moi, ça a frisé un peu, t'sais, l'écran il a figé un peu, mais bon, peut-être ça m'a bloqué dans le jeu aussi, je sais pas. Ouais. Après, je me suis rapproché, j'ai donné un coup de patin, j'ai pas eu de dégâts là-dessus. Ah, ok, cool. Non, allez, Pesca, il peut tenter quelque chose sur Réa là. On prenait pas les virages de la même façon. Ouais. La légère courbe qui pose problème. Il va arriver en sur vitesse par rapport à lui. Oui. Allez, on va voir ce qui se passe derrière très rapidement. On reste concentré sur les batailles pour les trois premières places. On va voir, quatrième place, on retrouve Siro. Qui est un peu distancé par les hommes de tête. Cinquième Will. Sixième place pour Bioul. Voilà, il n'y a pas de bataille hein, derrière. Septième S24 qui est loin. Huitième Audi. Neuvième place, Eltriste. Ouais, S24 qui passe au pit. Troisième tour. Ok, Triste, du mal à. Les images de Triste arrivent, du mal à arriver. Dixième d'œuf. Ouais, d'œuf qui est déjà plus d'un tour de tout le monde. Donc on va retrouver les hommes de tête. Voilà, c'est là que ça se joue. C'est là que le peloton est serré. Et Pesca vient de prendre la deuxième place. Voilà, donc on va continuer à suivre ce duel. Oh là là, Pesca qui nous prend dans les S. Allez, c'est la ligne droite. C'est parti. Alors là, ce qui va être très dur à trouver. Alors que Eltriste ralentit, voilà, pour les retardataires. Les retardataires se font prendre un tour par les hommes de tête. C'est Eltriste. Combien de temps ce duel va-t-il durer? Probablement jusqu'au premier arrêt au stand. Donc on voit derrière Siro et Will. Encore une petite distance quand même. On revoit l'incident du premier tour. Entrée de Triste et Duff. Duff qui vient percuter violemment l'arrière de la voiture d'Eltriste. Voilà. Eltriste et Duff qui se retrouvent, chacun avec le moteur cassé. Ça va grandement les handicaper dans cette course. En tout cas dans ce début de course. Merci Ted. Ouais, Siro est vraiment seul, hein. Donc pour l'instant, seul duel pour la deuxième place. DS avec Réa. On observe ce qui se passe devant. Pour l'instant, pas de problème pour les trois hommes de tête. En tout cas, on a une bonne allure là. Personne ne fait de faute. Bah, d'énormes fautes en tout cas.
Oula, Pesca a tiré large un petit peu. Ré également. Ça a failli aller dans le gazon, tout ça. Alors, c'est très régulier. Hein. C'est-à-dire que... Oh, Alex a parti pareil. Mordu un peu. Se mettre à bord de la voiture de Pesca. Ok, vraiment Alex en ligne de mire, pas loin devant. Hein. Il peut aller le chercher, là. Oh là là, Alex qui est en grosse difficulté là. Et Pesca. Bon, qui se montre menaçant maintenant. Oh là là, va-t-il craquer là? L'arrière qui tape beaucoup, hein. Et prudemment, il faut y aller prudemment, attendre le bon moment. Alex va sans doute pas résister très longtemps là. Il a quand même perdu pas mal de distance là sur ses poursuivants. Voilà, Pescadou fait un énorme début de course, il faut le dire, puisque Réa est loin derrière maintenant. Il est très régulier là. Qui a légèrement tapé, mais sans dommage pour l'instant, tout va bien. Et ça tape pareil, Alex a dû taper à cet endroit là, on l'a vu partir très à l'extérieur. Suivre en vue extérieure maintenant ce qui se passe. Donc deuxième Pesca, pour l'instant on est stabilisé. Donc troisième position Réa, et voilà Réa qui fait son retard hein, qui avait plus de retard que ça a priori, qui là revient. Ah oui, il revient même très fort. Ah, les petites maladresses certainement dans le S de Pesca. Voilà, Alex qui bouffe pas mal de gomme là. Oh là là, Pesca, ouh, qui a mordu. Finalement, ça l'a pas mal aidé pour prendre ce virage. Ah oui, oh là, Pesca. Prends...
Soit c'est la concentration, soit c'est les pneus. Mais quelque chose qui ne va pas, ouais, ça tape beaucoup là. Hein. Et là, Réa peut en profiter, même si ses pneus sont plus très frais. Les premiers arrêts au pit vont pas tarder là pour les hommes de tête. Attention, ouais. Pesca qui est revenu très vite là sur Alex, peut-être plus vite que prévu, et voilà. Pesca qui passe au stand. Retourner sur Réa et Alex. Ouh, Alex qui a pris très mal, est-ce qu'il profite à Réa maintenant? Et Siro et Will ont suivi Pesca là au stand. Voilà ce qui profite à Bjul qui passe en troisième position. Eh ben ça rigole pas. Devant c'est chaud. Voilà, ça dérape beaucoup là du côté d'Alex. Sa voiture a tendance à bien chasser. Ça risque de poser problème pour les deux hommes d'ailleurs, puisque si Alex chasse, ça risque d'emporter Réa avec lui. Aïe aïe aïe, Réa qui tape. Perd un peu de distance, rien de grave pour l'instant sur Alex, sachant que les aérostands ne vont pas tarder là de toute façon. Malheureusement il a eu un dégât sur la roue avant droite. A priori il va certainement passer au stand dans ce tour. Avec un pneu à 3, une forte chance. Alex continue lui, Réa pareil, allez Réa continue également, donc un choix un peu surprenant dans la mesure où les pneus sont bien abîmés. On va retrouver où est Pesca. Pesca est avec Bjul. Il est avec Bjul. A priori. Est-ce qu'il est sorti de... Il est sorti derrière Bjul, ça c'est sûr. C'est le Christ. Il va faire un retour canon sur Bjul. Bjul qui est déjà passé au stand, il me semble. Forte chance d'ailleurs, parce que le pneu avant gauche est très frais, à 7. Allez, on voit les meilleurs moments du départ, en tout cas les pires en ce qui concerne Duff. Pénalisé qui voit tout le monde lui repasser devant. Le bon départ de Pesca. Qui prend le meilleur sur Réa dans le premier virage. Et volontaire. Passe au départ de Will. Et le micro lag qu'on envoie ici. Qui le pénalise. Qui pénalise surtout Duff. Et les petites erreurs de Bjul.
passe à l'extérieur, qui prend vos 13 à l'extérieur, et Will qui lui passe devant, 5ème position. Et finalement, tout le monde passe au pit, alors je sais pas si... Ah, Alex, qui passe au stand, et Réa qui continue. Alors, avec un pneu avant droit à 2, sans le prochain arrêt quand même, l'arrêt au prochain tour. Voilà, deuxième Pescadou, troisième Duff, Buell pardon. Allez, le départ d'Eltrist, juste avant l'incident avec Duff. Ah, qui est passé Duff, évidemment, on a vu le... revu l'accident sous un autre angle. Qui se bat avec S24 dans cette ligne droite. Qui prend 13 à l'extérieur, qui voit S24 lui passer devant, lui repasser devant. Allez, on va suivre de l'intérieur les S avec Pescadou, actuellement deuxième, sans doute plus pour très longtemps, va sans doute repasser en tête là. Alex, Réa qui va sans doute passer au stand dans les prochains tours, si ce n'est dans ce tour. Alors, que fait Réa? Voilà, Réa entre dans les stands. Ah, il a raté l'entrée des stands, on dirait Réa. Voilà, Réa dans les stands. Pesca va récupérer la première place. Allez, attention à la petite maladresse là. Alors, troisième, quatrième, on a Siro et Alex. Siro. Ah, et Buell, eh ouais, on est un duel, hein, on a quelque chose pour la deuxième place là, entre Buell, Siro et Alex. Suivons. Siro. Siro qui a tapé, attention, ça peut faire le jeu d'Alex derrière lui. Oh là là, Siro qui frappe et Alex en profite. Voilà, troisième place pour Alex. Alors maintenant, Buell peut jouer les troubles faites hein, dans ce duel là. Pas tant tapé, oh là là, Buell en difficulté également. Alex va en profiter. Voilà, ouh, merci. Peut-être du petit quelque chose là. Et voilà, Siro qui élimine Buell à son tour. Il y a un petit contact entre Alex et Buell, alors je sais pas si c'est volontaire, a priori non. Mais attention quand même à ne pas aller trop fort sur les duels. Ça peut coûter cher, surtout dans cette zone DS de Bathurst. Allez, Siro qui frappe fort là. Ouais. Siro qui voit revenir Buell. Qui voit surtout partir Alex. Voilà, Buell dans les pits.
Pour l'instant, plus de duel sur cette course. Donc Siro refasse son retard sur Alex. On va voir un peu ce qui se passe derrière. On va d'abord voir Pesca. On prend des nouvelles. Pesca, tout va bien. Maria est sortie des stands a priori. J'ai bien compris, en tout cas il est 5ème. Ah, tout se passe bien pour Pesca, premier. Alors, où est le deuxième? Ah, Alex pas loin derrière. Il n'y a aucun concurrent entre eux. Aucun retardataire en tout cas. Troisième. Donc Siro. Alors, Will, quatrième. Où est-il? Il est pas loin derrière, quatrième aussi. Ça joue dans un mouchoir de poche. Hein. Pour l'instant, personne n'est distancé dans les... Pour le podium, en tout cas, dans les premiers concurrents. Ça revient même fort, là, a priori, en troisième place, là, pour Siro. On va suivre ça. Est au pit. Voilà, donc Alex qui prend la première position, Siro la deuxième. Et Will la troisième. Alors que Pesca ressort. Va-t-il ressortir par rapport à Réa? Ah oui, Réa est pas loin, hein. Oh, attention, attention. Parce qu'il y a beaucoup de mal là. Et là, qui reste juste derrière, pas loin en tout cas. Il faut dire que les deux voitures ont un niveau de fraîcheur. Bon niveau de fraîcheur des deux. Donc Mathieu n'assiste toujours pas, peut toujours pas participer aux courses. Il viendra sans doute pour la prochaine. Parce qu'il y a doux pour l'instant. Réa qui fait la petite erreur.
c'est pas encore tout de peu perdu. Pesca peut également faire des erreurs, on l'a vu tout à l'heure dans le S. Il reste 8 tours, un peu moins de 8 tours en tout cas, 7 tours et demi même. Tourner sur les hommes de tête, puisque pour l'instant pas de duel entre Réa et Pesca. Et Alex, première position, à moins d'une ligne droite de Siro, deuxième. Ah, c'est de Siro qui passe au stand, donc. Oui, il va passer deuxième. Non, lui aussi passe au stand, a priori, oui. Pesca, lui, il sera deuxième. Ah, il ira troisième. Donc. Salut Siro. Salut Will. Allez, on va suivre l'homme de tête, Alex. De rattraper les retardataires. Alors, qui sont-ils ? Audi. Attention à droite, oui. Ouais, je sais. Sans doute S24, du coup. Pesca. Et Réa toujours derrière. Une course toujours aussi serrée après 17 tours, c'est à souligner. Surtout pour le podium, hein. On a rarement des luttes pour le podium durer aussi longtemps. Alex passe. Que d'œuf est au stand.
que ça va très vite, puisqu'il reste 5 tours dans cette course. Et on rejoint la 4ème place avec Siro. Seul 4ème pour l'instant, pas d'huile à l'horizon. On peut se mêler à la lutte pour le podium. Cinquième Will qui rattrape. Alors, qui est le retardataire sur cette histoire? Peut-être Duff. Peut-être Duff, on va voir cela. C'est Duff. À la 6ème place pour Buell, pas loin derrière non plus. Septième, S24. Qui est juste devant Oli. Hein. Peut-être un petit duel pour la 7ème place là. Ouais. 24 et Oli sont dans le même tour. A priori passé deuxième. Le ralenti sur YouTube. Ah oui, effectivement. Ah, j'ai battu mon temps de qualif. Avec 10 chevaux de moins. Joli. Je suis pas loin du meilleur temps. Hein. 968. Ah bah putain, je m'en bats. Avec 10 chevaux de moins. Allez, dans les S, ça va jouer. Siré a fait une erreur. Pesca peut en profiter. Alors que Alex, pour l'instant, semble intouchable hein, dans cette course. Oh, attention. Ah, une erreur de jugement là. Ah, tu roules. Je te rattrape pas, j'ai même l'impression que je te perds. Enfin bon, c'est que vu que je suis certain d'être dernier, j'essaie de battre de faire mon meilleur chrono. Bah oui, non. Je roule quasiment. Je suis quasiment à vide. Ah mais ouais. À force de constater que tu vas vite. Allez, il reste 3 tours. Hein. Pour Pesca, Erea et Alex, voilà, évidemment. Allez toi. Ah là, par contre tu vas me rattraper parce que j'ai tombé en pleine sèche. Ah, forcément. Je voulais finir mon tour pour voir ce que ça donnait. Et alors ? Une 59. Qu'est-ce que tu frappes fort là ? Oh là là, ça se complique sérieusement. Ça se complique sérieusement pour Pesca. Merci à Triste. La Pesca, je dirais. Hein. Oh là, Pesca qui
très à l'extérieur là, ouais, c'est, ça se complique sérieusement là. Ouais, ça se complique sérieusement pour Pesca. Et Siro qui est juste derrière maintenant. Pesca qui risque de perdre, tout perdre là sur cette fin de course. Quatrième maintenant, la plus mauvaise place. Alors qu'il reste deux tours. Voilà, ça se complique sérieusement là. Oh oui, voilà, Pesca en grosse difficulté. Pesca en très grosse difficulté. Ah oui, il est assez loin pour l'instant, donc pas de problème, mais... Que fait Pesca ? Ne dis pas que Pesca passe dans les stands. Non, c'est triste. Pesca est toujours sur la piste. Alors, voyons où est Alex. Alex est très loin. Alex est... Alex maîtrise sa fin de course, ça passera facilement. Il y a un point de plus à gagner. Hein. Attention de ne pas prendre de risque avec des pneus, des pneus droits très usés. Bah oui, je serais bien écouté d'avoir posté mon bonus en retard. Hein. Ah oui, Réa est loin. Mais non, les S. Pas réussir, hein. Ça ne devait pas avoir pu poster plutôt. Voilà, deuxième Réa, troisième Siro. Alors, quatrième. Oh là là, ça, c'est compliqué là pour Pesca qui finira sans doute quatrième, mais. Et oui, il n'est pas très loin non plus, hein, donc attention. Il reste un tour, dernier tour pour Alex. La situation va sans doute se figer sur le podium. On va juste revenir en décroissant. Cinquième donc, Will. Pesca, quatrième. Il finira sans doute quatrième là. Après un bon début de course, c'est dommage là d'avoir. Dommage pour lui d'avoir vraiment craqué sur la fin de course. Ouais, et puis là, la voiture est complètement. Ouais, on voit qu'il est obligé de rattraper la trajectoire en permanence. C'est très compliqué pour lui. Troisième Siro. Siro, hey, Siro qui est proche de Réa. Alors où en est Alex? Alex est pas très loin non plus de la fin de son tour. Il reste une quarantaine de secondes. On va d'abord suivre Réa. On va essayer en tout cas. Ça va être compliqué. Ah, et Siro est en embuscade. Hein, donc. Oula. Et Siro attaque fort. Bon, on va suivre la fin de course d'Alex tout de même. Voilà, victoire d'Alex dans ce Grand Prix d'Australie. Voilà qui est fait. Youhou! Belle victoire d'Alex dans cette course très serrée. Alors, Réa va-t-il terminer deuxième? Bravo Alex. On va savoir très vite.
Réa finira deuxième. Ouh, à moins de, moins de 7 centièmes. De 7 dixièmes, pardon, de Siro. Donc ça joue très serré. Pesca héritera malheureusement pour lui de la 4ème place. A priori, oh, en tout cas. Eh hey, non, c'est Will qui est 4ème. C'est Will qui est 4ème. Pescadou, qu'est-ce qui se passe quand même? On ralentit Pescadou. Ah, c'est un moteur. Ah merde. Eh ouais, eh ouais. Et Pescadou qui se fait avoir la 5ème. C'est terrible. Oh, oh là là. La grosse contre-performance du jour, hein, sans doute, de Pesca. J'ai pas compris, mais j'ai dit, mais c'est pas possible qu'il ait déjà sixième. Fini et qu'il soit déjà là. C'est quoi ce bordel, quoi. Ah, les deux premiers, on fait qu'un seul arrêt. Ouais. Oh là, ils ont fait qu'un arrêt, là. Ouais. Ouais, bon, c'était pas la meilleure solution. Ouais, c'était chaud. Ouais, bon, pas bon. Bah, au bout du. Ouais, je faisais 11 tours. Ouais. 11 tours, 11 tours. Et puis, ouais, à chaque fois, je faisais. C'était pas craché. Joli doublé Black Knife, hein. Bravo. Hein. Ah, dommage pour Pescadou, hein. Putain, la fois, ce dernier c'est tour. Le premier, ça sera pas. Ah, je fais la moitié de la course avec des dégâts, moi. Ah, merde. Ouais, ouais. J'ai pas eu de chance. Qui c'est qui range sa chambre? On ralentit toute la course. Une belle course aussi, j'ai eu peur hein, quand même avec ton un seul arrêt là. J'ai pas été tranquille jusqu'à ce que je reparte du deuxième. Non, moi j'étais tranquille, t'inquiète. Moi j'étais confiant. Bah, j'ai roulé non, au je... ralenti, on va dire. Donc voilà, j'étais à l'économie, j'étais. Non, mais c'est vrai. Avec trois arrêts, j'aurais fait une 56 là. Là, selon le comportement, ouais, j'aurais pu. Mais voilà, Audi 7ème et 24 ça après. C'est clair. Sur le forum. Audi S24, Eltris, Duff, ça a été compliqué. En vrai, je te un carton dès le départ. Non. Hein, qu'est-ce que tu dis, Siro? Je dis à Araya que je dois lui avouer que j'y ai cru. À la deuxième place. Je veux pas grand chose en affaire.